Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo que j'ai reçue de Sylvie Scrap, qui vient de Belgique. On avait fait un défi ensemble de quelque chose qui nous servait plus, qu'on allait mettre à la poubelle, en faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu son colis à Sylvie. Alors tout d'abord Sylvie, je te remercie, c'est très gentil de ta part d'avoir déjà accepté. Et je vais vous montrer ce que Sylvie m'a envoyé. Alors je l'ai sorti de son carton parce que le carton était très très gros et j'aurais pas eu assez de place pour le mettre sur ma petite table. Alors je vous fais montrer en gros, c'est dans un papier bulle comme ça. Voilà. Elle m'a mis une petite carte, voilà, déco de pépette qu'on a marqué. Donc je sors la petite carte de Sylvie, c'est très joli, en plus les couleurs sont très belles. Voilà ce qu'elle m'a fait avec la petite bordure papillon, j'aime beaucoup, elle est très jolie, les couleurs ils sont très jolies. Elle est douée Sylvie au niveau des sprays, elle manipule bien les sprays, les couleurs mélangées, c'est très joli. Et puis elle m'a mis son petit mot qu'elle me dit qu'elle aime bien écrire à l'envers. C'est vrai que faut que je tourne hein, ta petite carte Sylvie, hein. Mais écoute, ça me fait très plaisir. C'est très très joli. Mais alors Sylvie, j'ai eu un petit accident. Je vais le déballer. Mais il a été un petit peu abîmé. Pas grand chose, mais voilà ce que Sylvie m'a fait. Alors, je ne sais pas comment je vais vous mettre ça parce que c'est quand même imposant. Alors, attendez. C'était une pendule. Voilà. Regardez comme c'est très joli. C'est beau. Avec ces fameux moules café elle-même. Regardez ce joli cœur, ses ailes, ce petit ange. C'est franchement très très joli. Il y a peut-être des reflets dedans. Même en haut, tout est vraiment. Elle a mis plein de petites décos sur les côtés qu'elle fait avec ses moules qu'elle achète. Mais c'est vrai, le papillon, j'aime beaucoup ce papillon qu'elle a mis ici. Voilà, je tourne comme je peux parce que c'est assez encombrant. Vous voyez, encore un petit ange ici qu'elle a mis. C'est vraiment très très beau. À l'arrière, regardez comme c'est magnifique. Alors tu vois, Sylvie, c'est là. Alors j'ai tous les petits bouts parce que quand je l'ai sorti du carton, ça. Voilà, tu vois, regarde. Sylvie, j'ai plein de petits bouts. Alors, ça vient de là, Sylvie. Là, tu as mis une étoile. Et l'étoile, elle est cassée. Tu vois, il manque des petits. Et puis, l'ange. Tu as mis des petites. Là, ici, je ne sais pas si tu vas voir. Ici, sur ton petit ange, ici. Eh bien, son aile, elle est cassée. J'ai plein de petits bouts, mais bon. Je ne sais pas comment je vais pouvoir recoller. Je vais essayer quand même. Hein, je vais essayer de les remettre. Mais franchement, le facteur, ils n'ont pas été très doux avec ton colis. Hein. Regardez comme c'est magnifique. J'aime bien cette tête-là. Elle est très jolie. Elle est belle. Et puis ces couleurs qu'elle a mis. Franchement, Sylvie, chapeau. Hein. Chapeau pour ce que tu fais. Tu es très douée. Moi, je crois pas que. Je saurais trop faire ça. Surtout avec toutes tes peintures que tu as, tous tes sprays, tous tes. C'est magnifique. Je suis très très contente, Sylvie. Ça me fait très plaisir. Regardez comme c'est joli. Même si c'est un objet qui ne fonctionne plus, mais c'est très décoratif. Je vais mettre ça dans mon séjour. Mon séjour est tout en gris. Gris, d'un côté c'est faux bois gris et de l'autre côté c'est uni gris. Eh ben écoute, chapeau, tu as bien tombé dans les couleurs. Hein. Ça va bien aller dans mon séjour.
Écoute, je te remercie énormément. Je ne sais pas quoi dire, mais merci, merci ma Sylvie, c'est très gentil de ta part. Tu es une gentille personne. Tu es vraiment adorable, tu es gentille. Alors, pour moi, Sylvie, j'ai presque fini tes petites choses. Il me reste deux, trois petites bricoles à faire, mais ne t'inquiète pas, tu vas le recevoir. Mais alors, ce week-end, je ne vais pas avoir du tout le temps de te faire quoi que ce soit, parce que j'ai ma petite fille à garder tout le week-end. Là, elle va pas tarder à arriver. C'est pour ça que je me dépêche de faire la vidéo. Et donc, elle arrive, elle dort ici. Cette nuit là, et la nuit d'après. Et ses parents viendront la rechercher que dimanche en fin de soirée. Alors, donc, j'aurai absolument pas le temps de te faire, de finir ton colis. Mais ne t'inquiète pas, promis, je te l'enverrai. Il me reste plus pas grand chose à faire, mais tu sais, elle a que 11 mois et ça demande beaucoup. Faut que je sois beaucoup après elle. Alors, ce week-end, je vais pas avoir le temps de te faire quelque chose. C'est pour ça que je fais cette vidéo assez rapidement déjà pour te dire que j'avais bien reçu ton colis, que tu t'inquiètes pas, j'ai bien eu. Je l'ai reçu exactement hier, mais le facteur et l'avis de passage, toi, hop. Dans la boîte aux lettres, parce que mon mari n'était pas là, puis moi je travaillais. Et mon mari l'a été chercher tout à l'heure à la poste, parce que bon, nous, notre poste, elle n'ouvre pas tous les jours, il y a des horaires. Hein, alors, il a été, donc je l'ai eu. Écoute, Sylvie, c'est très joli. Ta carte, elle est magnifique. Tu es franchement douée au niveau des couleurs, quand je regarde des fois, quand tu fais ton art journal, j'admire ce que tu fais parce que moi, je ne sais pas si je saurais faire. Franchement, j'aurais l'impression de tout gâcher. Écoute, Sylvie, je te remercie de tout cœur. Je suis très contente. Ça m'a fait plaisir. Et tu es franchement la seule personne avec qui j'ai fait des échanges. Et si j'avais fait aussi un échange qui s'était très, très bien passé aussi. Je sais que tu l'as suivie aussi, mais on n'en entend plus parler. C'est dommage parce qu'elle faisait aussi des jolies choses. C'était Félicienne, Sylvie. C'était une Sylvie aussi comme toi. Tu la suivais aussi, il me semble. Et toi, vous êtes vraiment les deux personnes avec qui que je fais des échanges. Et ces échanges, ils ont toujours été très bien. Écoute, Sylvie, je te remercie. Même mon mari, il a trouvé ça très joli. Il me dit, bah dis donc, c'est joli. Alors lui, du coup, me dit, ah bah tiens, ils ont tout cassé. Ben, elle ne marche plus, la pauvre pendule. Ben, elle me dit, tu te rends compte, sa pendule, elle ne marche plus. Mais je dis non, c'était quelque chose qui devait être jeté et qu'on avait fait un défi. Ah, il me dit, ah bon, parce que dis-moi, je voulais regarder pour voir si on ne pouvait pas la faire refonctionner. Il me dit, parce qu'elle est cassée. Mais j'ai dit non, t'inquiète pas, à l'époque, elle ne fonctionne plus, d'accord. Mais c'est juste pour un décor. Ah, moi, il me dit, je préfère parce que là, il me dit, dis donc, c'est trop beau, hein, il me dit, même toi, même mon mari, il a trouvé ça joli. Et j'avais mon amie qui vient scraper, comme je vous dis, de temps en temps. Mais là, elle n'est pas venue scraper, elle est venue me coiffer, parce qu'elle était coiffeuse autrefois. Et même elle, hein, quand je l'ai déballée, parce que mon mari me dit, déballe, j'entends ça glingue là-dedans, il me dit, il doit y avoir de la casse. Et ouais, c'était les petites ailes qui se baladaient dans le carton. Et ben, même mon amie, je te jure, Sylvie, elle a trouvé ça très joli. Elle m'a dit, ben, comment qu'a fait ça? Parce qu'elle dit, c'est joli. Elle me dit, pourtant, elle scrape aussi beaucoup. Mais elle dit, franchement, c'est très, très beau. Hein. Eh bien, écoute, Sylvie, je vais te laisser parce que ma petite fille va pas tarder à arriver. Et je te fais de gros bisous. Je te dis merci. Merci, tu es très gentille. Tu es une personne formidable, simple, toujours. Même avec les gros soucis et les malheurs que tu as eus, tu as toujours le sourire, tu es toujours agréable à regarder. Merci beaucoup Sylvie. Fais un bisou à toute ta petite famille. Allez, je te laisse Sylvie et merci beaucoup. Écoute, je suis très contente et ça me fait très plaisir. Allez, au revoir Sylvie, à plus tard.